amis vous savez qu'est-ce qui se passe dans le monde surtout l'Iran je vais parler vous de l'Iran puisque personne n'en parle pas en Iran depuis quelques jours il y a des manifestations euh, surtout à Ispahan la ville que vous le connaissez rose d'Ispahan parfum d'Ispahan tout le monde connaît Ispahan alors Ispahan il y a des problèmes depuis quelques jours et des manifestations, plusieurs milliers de personnes qui sont dans la rue, ils ne rentrent pas à la maison, ils contestent concernant euh, énormément de choses, surtout c'est plutôt des paysans, des paysans qui n'ont pas de l'eau pour euh, pouvoir travailler. Sécheresse importante, exprès, c'est fait euh, par les ayatollahs. Alors, euh, ce qui les a ramené les Iraniens dans plusieurs villes en Podi, ce n'est pas seulement là-bas, dans plusieurs villes du Kurdistan iranien qu'ils font des manifestations, et des meetings, et voilà. Mais malheureusement, depuis hier, ils ont commencé à tuer les gens pour les faire disparaître. Alors, plusieurs blessés, plusieurs personnes sont mortes. En Iran, voilà, oui. Mais on ne parle pas. On ne parle pas. Pourquoi Puisque ce n'est pas dans le coup, actuellement. Il faut sauver les contrats partout, je ne sais pas quoi. Les milliards de contrats qui sont en eau. L'histoire avec l'embargo américain et tout ça. On ne parle pas de toutes ces manifestations et toutes les attaques militaires. Contre un peuple qui demande à manger. Puisque, vous savez, l'Iran, depuis 43 ans, a été détruit carrément. Et, euh, on partit des gens qui sont antisémites, qui sont anti-américains, des ex-communistes. Vous savez, ils sont contents quand ils entendent Oh, il là, il dit ça, oh, il dit ça, oh, il, il parle contre l'autre. Mais c'est tout ça des lablabs, c'est des paroles. Et le pays, le pays il est très pauvre actuellement. L'instruction de toutes les villes, même les déserts. On ne parle pas des bois. Les déserts, ils ont des problèmes, puisqu'il y a de, de temps en temps de, de, énormément de trous qu'on qu trouve en ville ou en dehors. Puisque pourquoi Puisque depuis 43 ans, ils ont tout vendu l'eau, les bois. Euh, 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 le pétrole que vous vous le voyez énormément de choses alors euh, une catastrophe énorme euh, existe en Iran c'est-à-dire, chaque année, il y a des contestations, des manifestations, mais malheureusement, on n'entend pas et oh, il, il écrase, il écrase, il tout. Actuellement, surtout grâce à l'Internet et YouTube et tout ça, il y a Instagram, etc. Il y en a énormément de films que vous pouvez regarder euh, sur Instagram. Sur, euh, surtout si vous tapez l'Iran, les comptes iraniens, si vous devenez membre, vous pouvez regarder visionner Moi, pour moi, ils ont fait plus de comptes sur Instagram. Pour, pour ça, à mon avis, à mon nom, il y a normalement de comptes. Euh, monsieur c'est pas grave. Euh, David Abassi. Sinon, vous tapez Avesta. A W O comme étoile. S T A Vesta, euh, 7000, euh, ou David si vous allez avoir des choses. 7000, vous savez, c'est quoi Il y a une histoire pour 7000. Je vais vous raconter ça aussi. Alors, au départ, vous savez, j'ai connu l'Internet et, et grâce à Didier Doppelge. Mon ami Didier Doppelge, euh, c'est quelqu'un vraiment. Beaucoup de choses. Même la France, il est grâce à Didier Doppelge. Euh, mmh. L'antenne libre, c'est un exemple, mais il ne faut pas oublier le journal Le Monde. Il y a déjà... Plus de 30 ans, il avait fait un article sur l'invention que Didier avait fait à l'époque, que l'Internet n'existait pas, vous voyez, et beaucoup d'autres choses. Alors, moi aussi, grâce à Didier, j'ai connu l'Internet et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup aidé pour lancer mes écrits et voilà mes idées, on peut dire. J'ai eu tout de suite contact avec le monde entier. Euh, euh, grâce à l'internet depuis 1994, 1995, vous voyez. Alors, euh, pour ça, 7000 à l'époque, le premier <laughs> euh, site internet que mon ami Marshall Manesh, aux États-Unis, c'est un grand acteur de cinéma hollywoodien. Uh, Marshall Manesh, il a joué dans de grands films et tout ça, c'est d'origine iranienne. Alors, lui, il m'a acheté le site internet Aria7000. Après, grâce à Didier, j'ai pu <laughs> euh, là pour mes activités dedans, vous savez, 7000, puisqu'on parle de 7000 ans de civilisation perse, l'agenda 7000 que je publie depuis 30 ans, etc. etc. Pour ça, on dit Avesta 7000. Avesta, c'est mon surnom, mon pseudonome en persan, c'est-à-dire en persan. La plupart des gens qui sont persophones, ils parlent persan. Alors, 08 92 23 95 20, on est là pour vous écouter. Mais ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant.